La poignée de ma machine à glace ne marche pas, elle ne rentre plus. Bonjour, je suis Fabien de la SARL Grid, donc constructeur en France de turbines à glace, de machines à glace à l'italienne et aussi de machines à sucette glacée. Je suis aussi auteur du livre Le Business de la glace, donc un guide complet qui parle de tous les concepts de glace. Donc si jamais vous êtes intéressé, vous voulez vous lancer dans la glace, et bien du coup dans ce bouquin là, on parle de tous les concepts, de tout le matériel dont vous aurez besoin, le chiffre d'affaires potentiel, donc tout plein d'astuces. La vidéo aujourd'hui c'est ça, ma machine à glace ne rentre plus dedans. Quand j'essaie de le mettre dedans, ça ne marche plus. Je suis dans ma machine et je comprends pas, je dis ça marche pas. Ok, en fin de compte, voilà, dans le piston, vous voyez, il y a une petite barre. Je mets mes petites lunettes, ok. Vous voyez, la petite barre qui est là. Ma poignée, elle doit rentrer comme ça dedans. Alors, ce qui se passe, c'est que quand on a pris un petit peu l'habitude, ou bien que l'on n'a pas l'habitude, quand on remet sa poignée, on la met comme ça et on ne fait pas gaffe. Du coup, ce qui va se passer, c'est que au lieu de mettre la barre comme ça, je vais la mettre là. Ok, du coup, je vais tirer sur la manette pour faire ma glace à l'italienne. Ok, et au fur du temps, au fur et à mesure du temps, je veux dire en quelques fois, et ben ça va rappuyer sur ça et le petit béquet qui est comme ça va se fermer. Du coup, quand vous allez vouloir rentrer ça dedans, ben, ça ne rentrera plus. D'accord. Donc la solution, c'est prendre un tournevis plat, essayer de le crocheter parce que c'est quand même assez dur. Et de le forcer délicatement, d'accord. Alors, si vous le forcez trop dur, vous allez le péter, d'accord. Ping, cassé. Il va falloir acheter une autre poignée, d'accord. Donc, vous faites bien gaffe. Quand vous le mettez dedans, vous faites petit à petit, vous l'écartez. Vous réessayez pour savoir si ça passe. Et au moment que ça passe, surtout, vous arrêtez. Et vous faites bien attention quand vous allez remettre ça, d'accord. Et la personne qui est nouvelle, qui va vouloir essayer de le faire, bah, pareil, vous lui précisez bien qu'elle doit vérifier que ça s'emboîte dedans, d'accord. À l'intérieur, la petite barre doit passer dans la fente. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à partager, ça peut rendre service à quelqu'un. Je vous remercie pour le pouce bleu, puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Un petit aparté, je vous jure c'est vrai. Je viens de mettre ma tirette dedans et je m'aperçois que putain, ça rentrait pas. Et je venais de la mettre ici, d'accord. Vous voyez, même à moi, d'accord, même à moi, ça m'arrive. Alors, ça arrive à tout le monde.